pas pour longtemps. Je vais pas faire celle-là. Hein. Pas terrible celle-là. À vos télécommandes les amis, est-ce que ça va être payant ce genre d'exercice auprès du jury? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. En tout cas, c'est pas facile et le public, lui, s'est bien marré sans un mot. En ce qui concerne votre actu, Ben, vous serez au point virgule à partir du 3 juillet prochain. C'est oui. Bien ça? Super, tout à il est essoufflé Ben, il en peut plus, il est au bord du gouffre là. Ça y est, nous avons enregistré les notes du jury, on commence par découvrir celle de Bigard. Le 15, c'est un bon démarrage. Michel Bernier a-t-elle succombé au charme de Ben, même sans guitare? Quelle est la note? 18. Catherine Barmac, quelle est votre note? 15, c'est pas mal. Et Eric Métayer, 16.
Je commence par l'élu du cœur de Ben, Michel Bernier. Vous avez mis 18, c'est la meilleure note. D'abord, merci. Merci beaucoup pour cette jolie déclaration. Qu'elle soit vraie ou pas, elle était très bien faite. Merci beaucoup. Je trouve ça très osé. Comme sketch, parce que c'est rare ici dans cette émission un sketch quasiment sans parole. Ouais. Et donc ça, j'avoue que la note, elle marque aussi ce culot-là, je vais dire. Maintenant, la petite chose, c'est que moi, je pense que c'était un tout petit peu long quand même, dans le sens où la fin où tu changes les instruments, c'était peut-être là où ça commençait peut-être à déconner, c'est-à-dire qu'un dragueur qui a pas la guitare, qu'est-ce qu'il va... Quand tu commences à sortir la flûte de Pan et tout ça, c'est tout d'un coup, ça devient brinzing total, quoi. Voilà. Autrement, je l'ai mis 18 parce que t'es plutôt un homme de texte habituellement. Oui. Et donc, ben écoute, voilà. Mais tu as beaucoup de talent. 18 pour Michel Bernier. Éric Métayer, c'est la deuxième meilleure note. Vous avez mis 16. Oui, De la même façon, j'ai mis 16 pour le culot, parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas, ce genre de choses, et non. Que je trouve ça très agréable à voir, et que surtout, c'est pour essayer d'encourager, que ce soit Ben ou d'autres, à essayer de tenter cette voie-là aussi. Ah oui. Mais c'est un humour anglais qui demande, je pense, pour avoir une note beaucoup plus forte, en tout cas de ma part, ouais. Qui demande une précision telle pour arriver à faire un numéro comme celui-là, que là, c'était un peu « je me rattrape comme je peux ». Mais je mets 16 en disant « c'est vraiment une voix, en tout cas, moi, qui me plaît beaucoup et j'aimerais qu'elle soit poursuivie parce que c'est tellement beau aussi, l'humour comme ça, visuel, j'adore ça. » L'originalité et le culot sont payants. Catherine, vous avez mis 15. Moi, c'est le contraire. Alors, j'avoue que Ben a beaucoup de classe, beaucoup de prestance, mais moi, c'est pas ce que je préfère dans les sketchs qu'on peut faire ici et même en règle générale. C'est sûr que ça ne me séduit pas. Enfin, je veux dire, c'est pas ça qui m'attire et qui me donne envie. Tu préfères les mecs un peu plus virils. Je préfère un certain style d'homme dont je ne parlerai pas ici. Mais à mon avis, ils n'ont pas des pulls violets. Voilà, qui correspondent à ce qui m'ont marié. Mais là, ça n'a aucun rapport avec ça. C'est-à-dire que moi, je mets 15 parce que ce que j'aime chez Ben, c'est voilà, il fait ça, c'est pas un truc qui me fait rire, qui me plaît spécialement, mais il a beaucoup de classe. C'est beau à voir. Ouais. Voilà. D'accord. Donc c'est un 15 pour Catherine, même note pour Jean-Marie Bigard. Alors moi, pour d'autres raisons, je trouve que. Comme Michel, que c'était un petit peu long et que, en l'occurrence, quand tu t'attaques au visuel, il faut impérativement qu'il y ait une progression. Quoi. Ouais. On est tous d'accord là-dessus. Ouais. Donc voilà, je ne t'ai mis que 15, dans l'attente de te remettre 20 autant de fois qu'il le faudra. C'était très culotté, c'était risqué. Et au final, les notes sont plutôt bonnes. On va faire le total des notes attribuées par le jury pour Ben. Ça fait 64 points et à ces 64 points, nous allons bien sûr ajouter la note du public. Le public s'est vachement marré hein, pendant le sketch. À mon avis, il va y avoir une bonne note à la clé. On découvre ça. 64 plus 16, c'est ce que je disais. Ça fait 80 points. Bravo Ben et à très vite pour un nouveau passage. Pour connaître les coulisses, les secrets, tout ce qui se passe et que vous ne voyez pas sur France 2, eh bien, abonnez-vous et cliquez ici.